c'est sûr quand même. Quelques slides rapides, choses habituelles, les sponsors, la salle, l'apéro, merci beaucoup, tout ça. Et à chaque fois, on dit la même chose, a priori, online n'est plus sponsor, mais on laisse la part, on laisse. Mois de janvier, gratiné dans les user groups lyonnais. Je ne vais pas forcément tous les faire. Il y a des petits nouveaux, genre le Graph DB Lyon, le Upwork Apéro, le Lyon Scala User Group. LSUG, j'ai dû creuser sur internet pour trouver que c'était ça. Et puis les courants, le Jug, le Mug, etc. Un petit big up pour le Jug mardi prochain, parce que c'est un mec de Zinica que je connais bien qui fait la conf, qui est très bien d'ailleurs. Mettre des logs dans Elasticsearch et les manipuler, c'est assez sympa. Les conférences à venir, il y a Lille, Take Off Conf, un peu international en anglais, deux jours de conf, je crois, à la fin du mois. Il me reste quelques places, je crois. Il y a moi dedans, donc c'est bon. Une assez importante sur le JavaScript avec JS Everywhere Europe qui se tient à Paris. Mais les dates sont tout petit, c'est en mars. Voilà. C'est fin mars, une grosse son. Le thème est assez sympa, il change un peu parce que c'est les applications du JavaScript dans tous les domaines, pas forcément que le web et les choses standards. Et en plus, ils sont assez sympas avec les user groups. Ils essayent de nous impliquer pour faire de la promo des user groups JavaScript. Donc, raison de plus pour en parler. On est plus que jamais à la recherche de speakers, de sujets, de talks. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des idées de gens que vous aimeriez bien voir venir ici, n'hésitez pas à nous en parler sur les différents... moyen de communication. En ce moment, on ne croule pas sous les demandes, on va dire. N'oubliez pas de venir à l'apéro après, message habituel. Partez pas comme des voleurs, venez boire une bière. Et puis voilà, c'est tout à peu près. Donc je laisse. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu vois, il le voit moins bien maintenant. C'était sous leurs yeux tout le long. Hein. Ouais. Donc si vous voulez le wifi, vous avez encore 10 secondes. Il est en haut à droite. Avec la buse. Ça, il l'a dépassé, c'est pas l'autre. Ouais, je te montre sur mon poste. Si je le retrouve, il est où? Quelqu'un sait comment passer un écran plongé, je peux en dire.
C'est bon ? Pareil ? Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je vous présente Benjamin Planche, alias Bill. Et donc la conférence d'aujourd'hui, ça va être un petit retour d'expérience sur ma participation au concours JS1K. Alors tout d'abord, si jamais vous voulez suivre sur votre PC ou si jamais vous voulez récupérer ça pour plus tard, direction GitHub. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, sinon on peut voir ça à la fin. Et voilà, alors, comme prélude, j'aimerais vous présenter un petit morceau de petit bout de code et avoir votre opinion dessus. Le code, le voici. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous savez ce que ça peut être? Quel langage? Quelle utilité? Oui, mais Lyon JS, donc c'était pas du code. Alors, en plus, on peut voir, il y a du Olival, il y a des points oui, enfin, c'est intervalle. Oui, c'est du JavaScript. Bon, même le flow, la syntaxique, il s'y perd un petit peu. Il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, des opérateurs qui ne devraient pas suivre, des choses qui sont tronquées. On peut essayer de mettre ça dans un peu plus de contexte. Donc, voici la page web entière. On retrouve le script ici. Donc, apparemment, c'est juste une longue string avec potentiellement un eval derrière. La page en soi ne vous aide pas beaucoup plus à situer les choses. Il n'y a pas de script à ajouter à part ces trois déclarations. La page est assez dénudée. Maintenant, si on copie-colle le tout voilà, donc ça c'est le code dont j'ai précédemment copié-collé. C'est la page web. Si jamais on s'amuse à la lancer, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci. Déjà ça ressemble un peu plus à quelque chose. Il s'agit de ma démo que j'ai présentée au concours GS1K 2013. Qu'est-ce que c'est? C'est un générateur pseudo-aléatoire de terrain. Donc vous pouvez voir de l'eau, des plages, on ne voit pas très bien sur cet écran, mais des paysages boisés, des sommets enneigés. De l'éclairage simulé par des zones plus ombrées ou des zones plus éclairées. Si jamais vous rechargez la page, vous avez à chaque fois un nouveau terrain, d'où le terme pseudo-aléatoire. Le terrain se forme par ajout successif de petits points dynamiquement. Grâce à cette dynamique, j'ai pu jouer sur le thème du concours qui était Spring, Printemps. Donc en fait, bon, ça ne doit pas très bien, il faut attendre un petit peu, mais on voit la neige qui descend un petit peu, puis qui refond, la forêt qui jaunit un petit peu. Bref, j'ai voulu simuler les saisons. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi quelques interactions qui sont possibles, quelques trucs de contrôle. Bon, maintenant, le clic appuyé, on peut se déplacer autour du terrain, on peut zoomer, des contrôlages, ça se reforme. Voilà, donc c'est donc cela que fait le petit code que je vous ai montré avant. Et donc, sa principale particularité, c'est de tenir son niveau 1024 octets. Donc 1024 octets, c'est peut-être dur à s'imaginer ce que c'est, mais en fait, c'est très peu. Alors, je me suis amusé à concocter un petit exemple, bon, pas forcément utile, mais j'essaie de mettre par écrit en français, assez concis, assez pro, ce que fait la démonstration que je vous ai présentée, pour vous mettre à écrit le speech que je viens de vous faire, et j'ai pas pu le mettre la moitié sur 1024 caractères. 1024 caractères écrits, donc 1024 octets. Donc en fait, cet esprit de concision, c'est tout ce qui fait l'esprit du concours JS1K. Donc ce concours pousse en fait, pousse les programmeurs à faire beaucoup avec peu. En gros, pousser les programmeurs à aller dans les retranchements de l'expressivité du JavaScript. On peut calculer, on a un petit avertissement. Tout le code que je vais vous présenter par la suite, il n'est pas conforme aux normes. Il est très certainement pas respectueux des bonnes pratiques. Il n'est pas forcément cross-navigateur. Il est carrément non maintenable et illisible. Pour toutes ces raisons, je vous invite à ne pas le reproduire en entreprise. Enfin, c'est vous qui voyez, je ne vais pas généraliser, peut-être qu'ils sont cool, mais après j'aimerais pas être le stagiaire chargé de maintenir le script derrière. Et aussi par rapport au concours en soi, si jamais un jour vous décidez de participer, je crois que la session 2014 devrait bientôt être annoncée, soyez prévenus, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts, c'est du fun, mais après vous ne verrez plus jamais de la même manière et vous risquez de choper de très très sales habitudes. Voilà. Cela étant dit, qu'est-ce que JS1K?
Donc JS pour JavaScript, moins de K pour moins de kilo-octets, je pense que vous l'avez compris. Hein. On peut aller voir le site web, c'est simple à décrire. Donc voilà, le site web de JS moins de K, donc il a été créé en 2010, la première session. Ça a été inventé par un web développeur néerlandais, Peter van der Zee, je sais pas ça. Il y a déjà eu 5 sessions, si on regarde la dernière. C'est pas très difficile. Forcément. Ouais, c'est pas très gênant au final. C'est pas gênant, je continue comme ça, sans support. Donc, si jamais vous suivez et que vous connectez sur le site web, vous verrez qu'il y a juste une page d'accueil où il présente les jurys, aussi où il présente les prix, où il présente les démos primées, une autre petite page avec les règles, une page avec toutes les démos postées. Alors du coup, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais il y en avait dans les 300, il me semble, pour cette session. Et voilà. Le jury cette année, de manière générale, c'est souvent des grands noms, des noms assez connus du JavaScript. Oui, c'était 4 cette session. Il y avait le créateur de Fabrique, Fabrique.js, je ne sais plus son nom. Il y avait. Comment il s'appelle, Paul Irish. C'est bon. Il y avait aussi 2 autres programmeurs, dont un qui était le précédent gagnant en fait, de la session précédente. Pour les prix, en fait, c'est des donations faites par des organismes, des entreprises ou des sociétés qui veulent promouvoir le JS. C'est pas grand chose, mais c'est toujours sympathique. C'est pas forcément la principale motivation, en fait. Et voilà pour la présentation générale. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur les règles. Donc, le règlement, déjà, c'est du JavaScript pur qui sera ensuite intégré à un template HTML. Ce script doit faire 24 octets maximum, évidemment, c'est un peu la base. Le script doit marcher de manière hors connexion, donc aucune ressource externe, aucun appel à quelconque API même. Tout doit être self-contained, on va dire. Faut que ce soit cross-navigateur, les versions récentes en cours, donc Firefox, Chrome et Opera, j'en oublie aucun. Et enfin, ça doit simplement fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ne vont pas vous juger sur la qualité du code, ils ne vont pas vous juger si c'est justement respectueux du W3C, ce genre de choses. Il faut que ça marche, quelle que soit la méthode. Ça, c'est justement le template HTML que vous avez déjà pu voir en partie avant. Donc, vraiment dénudé avec juste un campagne à disposition, 3 variables pour vous aider à y accéder plus simplement, la place point de script. Et c'est tout. Libre à vous après de manipuler Tom si vous voulez, mais vous devez faire ça avec le JS pur. Vous ne pouvez pas vous amuser à fermer la balise script et à rouvrir d'autres balises HTML de cette manière. Voilà. JavaScript pur. Donc, moi dans tout ça, qui je suis, donc je suis Benjamin Planche, je suis un étudiant de Lyon en CP informatique, toujours étudiant, contrairement à mes camarades, parce que j'ai fait une année de césure. Je me suis spécialisé dans le web, parce que c'est ma passion. J'aime beaucoup aussi mêler programmation, maths et art, enfin je suis un petit peu visuel. J'ai eu l'occasion de bosser dans la robotique, domotique et un petit peu de traitement d'image, en fait. J'ai découvert JS1K il y a 2 ans, pour la session 2012. À ce point-là, je me suis contenté de baver devant les démos que réalisaient les autres. C'était vraiment impressionnant. Mais voilà, en 2012-2013, j'ai donc fait cette année de césure, et malgré le boulot, malgré les activités, je me suis retrouvé avec plus de temps libre que j'en ai jamais eu au cours de mes études à l'Université de Lyon. Donc je me suis lancé dans des petits projets perso, j'ai programmé pour le fun, site web, petits trucs. Je me suis notamment relancé dans un vieux projet poussiéreux, dans lequel je m'étais amusé à convertir un projet scolaire en MATLAB en JavaScript, et c'était justement un projet de création de paysages en 3D. Et donc, quand la session 2013 de JS1K a été annoncée le 1er février, je me suis dit, je me lance, et j'ai m'amusé à réduire, à minimiser, à réécrire un petit peu ce projet poussiéreux pour essayer de le faire tenir sur 1024 octets, pardon. Et ce fut une grave erreur. Et pourquoi ce fut une grave erreur? Parce que déjà, de base, mon projet était vieux, était mal conçu, était buggé. Erreur de jeunesse, tout ça. Donc, moi, je me suis rendu compte que j'ai progressé entre temps. Mais surtout, la principale cause de mon erreur à ce niveau-là, c'était que ce projet à base n'avait pas été conçu pour tenir sur si peu de place.
Et mine de rien, c'est une composante qui devient essentielle quand on code ce genre de démo. Il faut non seulement réussir à coder la démo, mais il faut la coder sur l'espace requis. Et ça devient une composante qui influera autant votre implémentation que le contenu même de la démo, en fait. Et je me suis rendu compte de ça au bout d'une dizaine de jours. Et donc, tout jeté ce que j'étais en train de faire, et je suis reparti zéro. Je suis reparti des bases, je me suis concentré dans les maths, dans l'algorithmique, derrière ce que je voulais faire. C'est pas forcément le sujet de cette conférence, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous êtes intéressé par les algorithmes de génération procédurale, de visualisation 3D, de contrôle, ce genre de choses, on peut en discuter après, ou vous pouvez aller voir mon site web, j'ai fait quelques descriptions. Mais pour le coup, j'ai plutôt m'intéressé aux méthodes de compression utilisées. Parce que atteindre un kilooctet, c'est pas facile. Par atteindre, je veux dire descendre jusqu'à un kilooctet, vu que d'habitude on est plutôt du genre à prendre ses aises, à ne pas se sentir limité par la taille. En fait, on prend des nombres variables à rallonge et explicite, on indente, on espace, on fait des commentaires, tout ce qui est au final nécessaire habituellement, mais qui devient le mal quand vous voulez faire ce genre de démo justement. Donc, comment faire pour atteindre ces 1024 octets? Bon, la première des choses, je dirais, c'est de supprimer tout ce que je viens de dire. Plus de commentaires, plus de variables à rallonge, juste un caractère par variable, plus d'indentation, plus d'espace, tout ça. Ensuite, il y a aussi moyen de jouer sur la syntaxe même du JavaScript. Il y a plein de petits trucs et astuces que je vais vous présenter qui permettent de gagner par-ci par-là quelques octets. Aussi, en utilisant correctement les maths, vous pouvez exprimer beaucoup de choses en peu de place. Je vais vous présenter ensuite des outils de minification et de compression du JavaScript. Après, il y a l'option aussi de revoir ses espoirs à la baisse et de supprimer des fonctionnalités au fur et à mesure. Ça passe forcément par là. Et le tout répété jusqu'à satisfaction. Alors, commençons par la syntaxe.js. Je vais vous présenter juste quelques-uns des trucs et astuces possibles, ceux qui m'ont été au final le plus utiles. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le wiki GitHub manu par la communauté 140 bytes. C'est une véritable bible sur comment écrire du JavaScript minifié et totalement lisible. C'est très intéressant, on apprend beaucoup. Oups. Donc, pour commencer avec les variables, déjà dites adieu aux var, passez toutes vos variables en global, c'est fortement déconseillé de manière générale, mais là on est sur un petit script, 1024 octets, qui n'a aucune interaction avec d'autres scripts, ça ne fera pas partie d'une application web plus lourde, donc a priori si vous faites un minimum attention, ça ne posera aucune collision, aucun problème. Ensuite on se rend rapidement compte que déclarer une variable, ça prend en soi pas mal de place, donc il faut trouver des manières de déclarer de manière indirecte. Une proposition, c'est par exemple de réutiliser les variables des fonctions pour définir les variables. En ce sens, par exemple, sur cet exemple, 2 octets, ce qui est énorme dans ce cas-là. Une autre façon aussi, c'est de se souvenir que quand on assigne une valeur à une variable, cette opération retourne en soi la valeur. En fait, il est donc moyen de faire d'une carte de coup, d'assigner la valeur et de l'utiliser directement. C'est par exemple le cas dans cet exemple avec le if, la variable a est assignée et en même temps est testée. Donc, encore une fois, quelques octets, et en grattant comme ça par-ci par-là, c'est bien vite intéressant. Par rapport aux boucles, alors l'implémentation c'est un peu trop mainstream. Si vous voulez gagner des octets, je vous invite fortement à tester la décrémentation. Un autre point, c'est que for devient rapidement votre meilleur ami. Le while peut sembler plus concis, mais que vous vouliez faire des boucles infinies ou finies, le for vous fera forcément gagner de la place. Surtout qu'en fait, malgré sa syntaxe un peu plus complexe, il est plus malléable. Bon, avec le troisième exemple, vous pouvez même songer à passer une partie du contenu de votre boucle dans la syntaxe même du for. En faisant ça, en fait, vous allez économiser des délimiteurs en utilisant ce même requis par les boucles for. C'est une économie en point virgule, en parenthèse et ce genre de choses. Les conditions maintenant. Là. Il y a énormément de façons d'exprimer des conditions. Il faut juste savoir choisir la bonne en fonction des cas. Par exemple, en cas de conditions imbriquées, songez au ternaire. Vous voyez la simplicité de la chose du coup. Aussi, en fait, tout simplement, éviter les if et surtout les else. Je vous ai donné des exemples
en utilisant directement en fait les opérateurs conditionnels, A et l'appel à la fonction foo, ben, si A est faux, la condition sera directement jugée fausse, donc foo ne sera jamais appelé. Pareil, A ou appel de la fonction A, ben, si A est juste, la condition est directement validée, donc bar ne sera jamais appelé. Après, c'est intéressant de se rappeler de tous ces opérateurs JS, le dernier exemple, pour tester une idée avec DB1. Un autre intérêt de connaître ces opérateurs, c'est aussi de jouer sur la précédence. Donc, en faisant attention, on peut ainsi éviter des parenthèses qui auraient pu être inutiles. Pour finir sur diverses astuces, je parle de la coercition des arrays. Alors, c'est un peu compliqué pour juste dire qu'en fait, les arrays, quand vous les concaténez à des strings, en fait, ils seront stringifiés, ils seront imprimés avec des virgules entre chaque élément. Ce qui fait que, par exemple, si vous voulez imprimer, si vous voulez écrire une. Là, je prends l'exemple de couleur, qui est le plus utilisé. Vu que couleur, chaque composante est séparée par une virgule, en fait, vous allez juste imprimer votre array, vous aurez directement les virgules et vos composantes. Vous voyez l'espace qu'on gagne ici. Le dernier point que j'ai mis, plutôt de l'ordre structurel, c'est qu'il faut tout simplement éviter les constantes et les fonctions. Alors, pourquoi? Parce que rien que le mot-clé function, c'est 8 caractères. Donc ça prend de la place. Toute la syntaxe des fonctions est assez lourde au final. Donc remplacez-les directement par le float que vous voulez appliquer si possible. Pareil pour les constantes. Assigner une constante, c'est des octets de Pespi au final. Autant directement utiliser la valeur, du moment qu'elle soit courte en fait. Je vais terminer là avec toutes les astuces. Encore une fois, je vous invite à aller voir le wiki si vous voulez avoir plus de détails. Je vais donc passer rapidement au maths. Donc, juste quelques exemples. JavaScript met à notre disposition l'objet math avec pas mal de fonctions. Le problème, c'est que les appeler est au final assez lourd. C'est math. Le nom de la fonction à utiliser, de la méthode. Ça prend de la place. Et dans quelques cas, en fait, ça devient plus rapide de reconnaître soi-même la fonction en question. Voilà, je vous ai donné un exemple avec les arrondis et la troncature. C'est juste là pour les nombres positifs, mais ça vous montre quand même qu'on peut rapidement gagner la place comme ça. Un autre exemple plus technique que je n'ai pas mis là à l'écran, c'est par exemple tout simplement se rappeler des limites des fonctions usuelles pour deux terminales, quelque chose comme ça. En fait, par exemple, si vous manipulez je prends l'exemple du sinus. Sinus x peut être tout simplement exprimé par x dans le cas où vous manipulez un angle x très petit, qui tend vers 0. Je vais essayer de vous dire quelque chose. Enfin, il y a plein de méthodes d'approximation qui sont possibles pour gagner de la place. Bon, un exemple un peu bizarre que j'ai mis tout à la fin, le 10 égale 10 ou 10 égale 9, c'est une méthode qui est vraie dans mon cas en fait. C'est 10, c'est la valeur que j'utilisais avant pour exprimer la taille moyenne de mes montagnes dans mon code. Et avec cette valeur, en fait, je me retrouvais avec un code qui faisait 1026 octets, donc qui n'était pas valide. Et je me suis dit, bah, tant pis, approximons le rendu, rendons le relief un petit peu plus plat, passons à une moyenne de 9. Visuellement, ça n'a rien changé. Mais bah, les mots étaient au final validés grâce à ça. C'est pas du tout quelque chose de mathématique. Ce que je veux dire par cette petite anecdote, c'est juste un aspect important aussi dans code, ce genre de choses, c'est qu'il faut être souple. Il faut accepter de faire quelques sacrifices et pas hésiter à aller contre ces principes, on va dire. Mathématiques rigoureux. Ouais. Alors, pour revenir dans les maths, avec ça, tout ce que je veux dire, en fait, c'est que les maths deviennent rapidement votre meilleur ami si vous voulez exprimer beaucoup avec très peu, et sur un pouvoir d'expression qui est assez phénoménal. Donc, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, si vous connaissez un petit peu vos opérations matricielles, qui donc en JavaScript se traduiraient par de lourdes opérations d'arrêt, c'est possible en fait de les linéariser, les remplacer par juste des fonctions linéaires et compressées, et en faisant ça tout en arrêt, et vous y gagnez pas mal d'octets. Pareil, vous pouvez remplacer des conditions par des modulos sur valeur, ce genre de choses. J'avais un exemple en tête. Oui, c'était pour l'assignation des couleurs. Quand je représente mon paysage, j'avais une série de conditions qui étaient assez lourdes, qui étaient du style si la hauteur du point à dessiner est égale à la hauteur de l'eau, alors la couleur de ce point sera bleue. Si la hauteur est légèrement supérieure à celle de l'eau,
Alors ce sera un jaune sable, si c'est encore supérieur, ce sera un vert arbre, si c'est encore supérieur, ce sera blanc neigeux. C'était lourd. En fait, j'ai fini par me rendre compte que cette condition, c'était juste la définition d'une fonction qui avait comme abscisse la hauteur du point, ordonnée la valeur de la couleur en fait. Du coup, j'ai sorti MATLAB, j'ai rentré mes différentes coordonnées clés en entrée, j'ai demandé d'interpoler les valeurs, il m'a sorti une petite fonction polynomiale qui prend quelques caractères, qui faisait la même chose. C'est des maths, faut connaître, faut aimer, mais au final, ça fait gagner vachement de place. Mais repassons au domaine plus technique. Donc, maintenant, je vais vous présenter les outils de minification et de compression. Donc, un des plus connus, il s'agit de Clojure, développé par Google. Vous pouvez le rester sur le PC ou l'utiliser en ligne. Son but, c'est de recompiler votre JavaScript pour l'optimiser et le compacter. En gros, il va supprimer les branches mortes, il va compacter votre code en renommant les variables, en supprimant les espaces, en supprimant tout ce qui n'est pas nécessaire en fait. Et de cette manière, il va le compacter, il va le minifier. C'est quand même nécessaire de passer un petit peu derrière. Par exemple, il a tendance à remettre les zéros optionnels pour exprimer les nombres décimaux. Ceci juste pour gagner un petit octet, mais c'est important, supprimer le point virgule final. Mais autrement, c'est vraiment un outil qui est très précieux et très utile. Néanmoins, le meilleur ami pour les compétiteurs JS1K, c'est JS Crush. Alors, c'est un outil qui est assez méta parce que c'est à la base une démo pour la session 2012, donc un programme qui tient sur de mémoire 970 et quelques octets, et qui depuis est réutilisé par tous les nouveaux compétiteurs pour les récentes sessions. Et ce que fait ce petit bout de programme, en fait, c'est qu'il compresse un code déjà minifié. Alors, comment ça marche? Je pense que c'est intéressant de se pencher sur ce soit fonctionnant, à la fois par curiosité, mais aussi parce que c'est le meilleur moyen d'en faire un usage optimal. Donc, un petit point technique, comment JS Crush compresse? Donc dans un premier temps, ce petit programme, il va chercher les caractères ASCII libres pas utilisés dans votre programme et il va les retenir. Bon, je vous mets un petit exemple que vous pouvez suivre au fur et à mesure. Ensuite, il va parcourir tout votre code donné en entrée et va repérer les éléments répétitifs qui seraient intéressants de compresser en fait. Et ce qu'il va faire du coup, c'est que pour chacun de ces éléments répétitifs, il va en fait splitter. Il va, en termes techniques, il va remplacer tous les éléments répétitifs par le délimiteur choisi. Et afin de permettre la décompression derrière, il va juste concaténer le délimiteur et l'élément remplacé en fin de code, et il va aussi garder en mémoire le délimiteur. Et répéter cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de compression possible, bien sûr. Mais quelque chose dont il faut se rappeler dans les règles de JS1K, c'est que vous n'avez pas le droit à des ressources externes. Donc il faut que la décompression se fasse. Vous n'avez pas le droit d'appeler un outil externe pour décompresser le code qui vient d'être compressé par JS Crush. Donc toute la magie de ce programme, en fait, c'est qu'il va concaténer en fin de votre code un petit bout de JavaScript qui va être donc lancé par le navigateur et qui va en fait à la fois décompresser et lancer votre programme. On appelle en fait un petit bootstrap. Et donc le bootstrap, le voici, légèrement plus visible que ce qu'il est réellement. Et donc ce que bootstrap fait, c'est juste l'opération inverse de la compression. C'est-à-dire que pour chaque délimiteur choisi, il va. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est pas forcément intéressant. En fait, il va splitter pour récupérer l'élément répété qui était mis en fin de code. Et avec cet élément, il va refaire l'opération inverse qui est remplacer le délimiteur dans le code par l'élément popé précédemment. En faisant de cette manière, on va reconstruire tout simplement le code au fur et à mesure de la boucle sur tous les délimiteurs. Et avec le petit éval à la fin, on lance le code ainsi reconstruit. Donc maintenant qu'on sait comment JS Crush marche, on va pouvoir optimiser intelligemment notre code pour en tirer le maximum. Donc on sait que JS Crush tire son efficacité en fait des patterns, des éléments répétitifs dans votre code. Donc le but, c'est de créer de tels patterns.
Alors, il y a diverses méthodes pour cela. Déjà, éviter les noms de variables différents et au final réutiliser celles qui sont déjà créées. Aussi, juste réarranger légèrement vos opérations pour faire apparaître des petits éléments répétitifs. C'est l'exemple, c'est le deuxième exemple en fait. Juste en inversant une modification en fait. Là, on fait apparaître un pattern de 5 octets qui seront tous en fait remplacés par un seul caractère et on y gagne un petit peu. Et enfin, une pratique qui peut sembler contre-productive au premier abord, c'est d'utiliser la même signature pour toutes les fonctions en prenant en fait la signature la plus longue comme base. C'est le dernier exemple. Et en fait, le bonus au final en passant par JSCroche, c'est que toute la partie function, parenthèse, les paramètres, parenthèse, toutes ces fonctions vont être remplacées par un seul caractère et le terme function avec qui il parlait d'ailleurs n'apparaîtra plus qu'une seule fois en fait dans votre code. Et mine de rien, Miguel, beaucoup en sont ainsi. J'ai fini avec JSCroche. Je vais juste vous présenter un petit dernier programme qui a paru durant la session 2013, qui a été codé par un autre développeur passionné de JS Runcare. C'est un outil qui est basé sur JSCroche, mais qui ajoute une petite étape en plus en fait. Et cette étape, c'est de convertir la chaîne de démetteur en une regex qui a le même poids d'expression, mais qui est vachement plus compacte. Et par rapport à JSCroche, avec RedPack, on y gagne de 20 à 30 octets. Énorme. Du coup, je pense que si jamais vous voulez vous êtes intéressé par la session 2014, il y a de fortes chances que tout le monde l'utilise. Notez-le. J'ai fini avec tout ce qui est compression. Je vais vite fait vous parler du workflow que j'ai personnellement utilisé, mais qui, après discussion, en fait, est celui quasiment commun à la plupart des participants. Alors, on est presque tous passés en fait par trois phases. La première phase, c'est on arrive un peu fleur au fusil face au concours, un peu comme j'ai fait. On se dit, allez, un petit coup de modification et de réécriture et j'aurai une démo valable à partir d'un vieux code. On se prend un bateau, on recommence à zéro et on incrémente petit à petit et on se rend compte que ça ne tient toujours pas sur 1024 octets. Du coup, on s'acharne un petit peu. Mine de rien, petit à petit, on va réussir à construire une démo. Et limite sans s'en rendre compte, en fait, on va passer de la question bon, quelle fonctionnalité je supprime pour que ça rentre, à plus quelle fonctionnalité j'ai optimisée, comment je peux améliorer. Et on va rentrer dans une phase plus de perfectionnisme, ce sera juste des petites modifications et des tout petits cycles en fait, d'implémentation. Alors, on va rentrer un petit peu en détail dans ces phases. Alors, la phase 1, ça sera surtout plutôt comment ne pas faire comme moi. Donc, déjà, je conseille de partir avec une base, d'avoir une idée, un thème, d'avoir quelques notions en tête, savoir à peu près où on veut aller. Ensuite, j'invite fortement à étudier les démos des précédents concours. La plupart des démos sont commentées. Enfin, il y a possibilité de mettre un commentaire dans le formulaire de participation, je cherche un mot. Et en plus, la plupart des participants aiment bien ensuite écrire leur démos sur leur blog et tout ça. C'est des articles qui sont toujours très intéressants, que vous vouliez participer ou non, vous apprenez beaucoup sur JavaScript, sur les maths, sur l'algorithmie par exemple. Une fois que vous avez fait le tour et que vous savez un peu plus à quoi vous attendre, je vous invite également à tester, à expérimenter, à y aller vraiment par petits incréments et à tester chaque notion séparément. Tester vos contrôles à côté, tester votre algorithme de visualisation de l'ordre, tester votre algorithme de génération de l'autre côté. Quel que soit ce que vous voulez manipuler, faites des mini-démos en fait, qui testent chaque aspect séparément. Et après, commencez, si vous voulez, à mettre en place, à assembler les différents aspects. L'objectif en fait, de cette phase, c'est, comme je l'ai dit, juste de se familiariser et de savoir où on ira plus tard. Donc après, on rentre dans la phase 2. La phase 2, c'est une boucle qui va se répéter une centaine de fois. Cette boucle, c'est implémente. Test pour vérifier si ça marche, minifie, compresse, pleure parce que ça ne rentre pas sur 1024 caractères, modifie et recommence. C'est long, c'est douloureux, j'ai dû faire planter les navigateurs une dizaine de fois de cette manière, j'ai dû réécrire la même fonction une dizaine de fois pour obtenir le résultat voulu. J'avais JS Crush et Closure constamment ouverts sur mon PC, j'en rêvais la nuit je pense, enfin, c'était une phase assez obsessionnel.
Et l'objectif au final, c'est un processus qui va mettre votre talent de développeur et votre patience à rude épreuve. Mais il faut juste pas craquer et petit à petit, en fait, vous allez obtenir une démo qui va commencer à vraiment ressembler à quelque chose. Jusqu'à ce qu'un petit matin, vous vous réveillez et que vous constatiez qu'en fait, vous avez quelque chose qui commence à ressembler à une démo potable. Vous allez fêter ça. Et ensuite, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a encore moyen de perfectionner un petit peu tout ça. Du coup, en fait, vous allez retourner dans votre site de coder, tester, unifier, recommencer. Mais avec quelques toutes petites modifications, en fait, là, ça ne sera plus question d'implémenter des nouvelles features. Ce sera plus d'optimiser celles déjà existantes, d'ajouter des petits détails en économisant des octets par-ci par-là. Et aussi, quelque chose qui m'est arrivé, en fait, ça ne passerait plus par l'étape de l'unification. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous causerez directement sur le code unifié. Ça a de nombreux avantages, en fait. Déjà, vous ne passez plus par l'étape de compilation et closure, donc c'est un gain de temps. Ensuite, closure, elle a la fâcheuse tendance, en fait, à légèrement modifier la structure de votre code, ce qui fait que tous les petits patterns soigneusement trouvés, toutes les petites... modifications, je trouve plus bon, que vous avez créé dans votre code pour créer des patterns vont être détruits par JS par closure. Donc en fait, vous allez tout simplement arrêter d'utiliser closure pour garder vos patterns en place. En plus, à ce niveau, vous êtes à peu près à 1200 caractères, vous les connaissez par cœur, vous n'avez plus besoin de passer par des commentaires ou ce genre de choses. C'est votre bébé. Vous aurez même du mal limite à vous en séparer, à couper le cordon et à finalement poster la démo sur le site. Et au final, en fait, l'objectif de cette dernière étape, c'est juste de se faire plaisir, d'optimiser autant que l'on veut et de ne pas louper la deadline. Parce que, pour information, le concours avait été annoncé le 1er février et fermait le 31 mars. Donc c'est long, vous avez le temps, vous ne pouvez pas forcément passer. Pour continuer sur Workflow, j'ai vite fait parler des outils utilisables. Donc, qu'est-ce qu'utiliser Developer JS1K ? Et ben, pour ma part, pas grand-chose en fait. Pourquoi ? Parce que je bossais beaucoup de façon nomade. J'avais pas forcément accès à une distribution Linux, pas forcément sur mon PC, donc pas de réel environnement de travail dans mon cas. Donc c'était vraiment le basique. Notepad++ ou Genie, parfois JS Beam. Les navigateurs récents pour tester tout, les outils de compression, de compilation, Git pour versionner pour éviter les mauvaises surprises, ça s'est limité à ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des suites qui existent et qui ne sont pas utilisées. J'ai relevé deux outils que j'aurais dû utiliser, que je remettrai un petit peu. C'est une petite suite qui a été mise en place par certains développeurs qui comporte quelques scripts Node.js. Et certains outils assez connus, ça s'appelle JS1K Tools, et aussi Grunt, si vous connaissez, qui vous peut permettre d'automatiser le processus de minification et de compression. On y gagne du temps. J'ai fini avec le workflow, donc je vais vous présenter maintenant les résultats, que ce soit par rapport à ce que j'ai fait moi ou les résultats du concours en soi. Donc, vite fait pour présenter mes démos. Du coup, j'ai pas mal de temps. Port local, je crois, il faudra le flou un petit peu, donc peut-être pour plus tard, c'est pas très grave. En fait, j'avais fait une première démo de mon paysage en 3D, mais avec un icon de présentation un petit peu différent. J'utilisais l'icon du peintre, pour ceux qui connaissent, allez-y. Mais en fait, cette démo était. Comment dire, il manquait quelque chose en fait, je trouvais. Du coup, j'ai cherché à l'optimiser et je suis parti sur deux pistes. Une piste qui était de modifier en fait l'algorithme de procédure, l'algorithme procédurale de génération expérimenter d'autres formes que des terrains. Et je suis aussi parti sur une seconde voie qui était en fait de modifier l'algorithme visuel, remplacer l'algorithme du peintre en fait. Alors avec la première piste qui était de modifier la géométrie, en fait, je suis parti sur une démo que j'ai appelée Morphose. J'ai posté aussi sur la PS5K. C'était quelque chose de plus abstrait avec des formes, un mix de formes cubiques et sphériques.
C'était assez fun à coder, c'était très rapide, j'ai dû le faire en 2-3 jours en fait avec ce que j'avais déjà en place. Et c'était juste une petite démo cool en fait, je me suis beaucoup amusé à faire. Mais la démo pour laquelle je me suis plus dépensé, on va dire, celle qui m'a le plus challengé, c'était celle que je vous ai montrée auparavant, la démo Principisme. Donc comme je l'ai dit, en fait, j'ai remplacé l'algorithme du peintre, qui est un algorithme assez basique de rendu visuel, par un petit mix personnel. En mélangeant des notions comme triangulation, interpolation varicentrique, Z-buffering, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre, de l'échantillonnage par méthode de Monte Carlo, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est que des notions que j'ai apprises au travers des articles que j'ai eus sur d'autres démos. J'ai fait mon petit mix personnel, et j'ai obtenu la démo que je vous ai montré précédemment. C'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez beaucoup apprendre en fait, c'était des notions que je ne connaissais pas forcément à la base. Mais juste en participant à ce concours et en creusant un petit peu ce que font les autres, et en creusant de mon côté ma propre voix, je peux tomber sur des choses assez marrantes à implémenter. Un petit résultat intéressant, une métrique un petit peu abstraite et schématique, c'est l'évolution du code au cours du temps, le même code. Donc vous voyez, sur les 9 premiers jours, mon acharnement a tenté de minifier un code beaucoup trop gros. Avec la courbe bleue, c'est d'être la taille du code, et le rouge, ce que fait le code, on va dire. Donc les premiers jours, j'ai testé de minifier mon code, j'en suis venu à supprimer au fur et à mesure tout ce qui faisait l'intérêt de ce code. C'est pour ça. Jusqu'au point où en fait j'en ai eu assez et j'ai carrément abandonné. Donc je suis parti dans ce que je vous ai présenté, la phase 2 on va dire, qui était de coder par incrément tout doucement. Et enfin vous pouvez voir les petits échelons qui est plutôt on va dire la phase 3 de perfectionnement, où vous alternez implémentation de nouvelles petites features et puis tentative de réduire le code pour faire tout rentrer. C'est un processus qui est vraiment, comme j'ai dit, des mini-cycles. Donc c'est pas... Quand j'ai montré ça à d'autres participants, ils ont tous rigolé parce qu'en fait on est tous passés par là. Sincèrement, c'est comme ça que ça se passe. Une autre métrique dont je voulais vous parler, qui est aussi assez intéressante, plus intéressante même, c'est les effets des étapes, des diverses étapes de compression. Donc pour commencer, voici le code, une version en fait jolie et documentée de mon code. Donc c'est visible, il y a beaucoup de commentaires. En fait, c'est une version qu'on est invité à poster en plus sur JS1Kel pour expliciter pour les visiteurs en fait. On est limité à 10 000 caractères, donc il y a peut-être 10 000 caractères. J'aurais pu développer plus en fait, j'ai pu passer un petit peu concis, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, voilà, ça c'est une version visible des 1024 caractères finales. Une autre version intéressante, c'est ce que j'appelle la version intermédiaire, c'est un code qui doit dater de la fin de la phase 2, on va dire. On peut déjà voir que j'utilise plus des noms variables à rallonge. Malgré tout, il y a encore l'indentation, il y a encore des commentaires. On est quand même déjà descendu à 2000 caractères. Et si on prend ce code et qu'on le passe à travers Clojure, voilà ce qu'on obtient. Là, vous pouvez voir que Clojure nous fait gagner à peu près de 700 caractères. 700 mots-clés, pardon. Et alors ça, c'est la version finale, avant d'être crushée, on va dire. Donc c'est la version sur laquelle je code à la fin. Comme je vous dis, on ne s'embête plus avec les variables à rallonge, on ne s'embête plus avec l'indentation. Mon code, on modifie directement là-dessus. Ben, c'est un temps, je connaissais ce code par cœur, maintenant j'ai un peu plus de mal, on va dire. Et donc, non crushée, cette version fait en fait 1280 octets. Et une fois passé par JS Crush, on retombe sur les 1024. J'ai réussi à atteindre la limite tout juste. Alors, si jamais je n'avais pas découvert Redpack le dernier jour, en fait, voilà ce que j'aurais pu avoir. Autant dire que quand j'ai vu ce résultat, en fait, j'ai eu un petit peu mal parce que j'ai passé quand même des jours à tenter de réduire et à triturer mon code pour descendre sur les 1024 en sans tout rentrer. Bon, j'ai pas eu la foi du coup de profiter de la place gagnée. J'ai posté comme ça, c'était le dernier jour, vite. Mais voilà. Redpack, utilité.
Donc maintenant, revenons un peu plus sur le concours. Donc voici le classement des démos primaires. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être cinquième. Très content. Mais que, enfin, je vous invite fortement déjà à regarder toutes les démos parce qu'elles sont toutes. Elles sont vraiment sympathiques. Mais je voulais d'abord me focusser sur le podium en fait pour vous montrer que c'est tous un peu des vieux de la vieille. C'est des gens qui ont participé déjà aux précédentes sessions, qui ont été déjà primés aux précédentes sessions et qui apposent vraiment respect en fait. Dès qu'ils ont posté leurs démos, on peut voir les démos déjà postées en fait, elles ont directement fait l'unanimité. Vous savez, vous connaissez le podium en fait de base. C'est un petit peu déprimant, mais en même temps c'était tellement impressionnant que vous pouvez le faire. Mais encore plus impressionnant en fait, c'est que les deux premiers, donc Philippe de Chesno, un Français, et Roman Cortés, espagnol je crois, ils ont même pris le temps de recoder derrière une seconde démo qu'ils ont postée pour rendre en fait hommage à la démo de l'autre. Alors là par contre c'est bête du coup que j'ai pas eu le net pour vous montrer ces démos. Parce que, la démo initiale du sommaire, donc nous allons faire lire, qui est déjà très impressionnant de base, on voit l'effet sur les ailes, la petite cravate 3D qui bouge, etc. C'est juste impressionnant. Et voilà la démo du premier, la démo originelle. Alors, c'est une démo qui prend un petit peu son temps, enfin, il faut vraiment observer pendant longtemps, c'est l'impression de naviguer dans une mine, dans un chariot. Il y a des effets de vitesse, la génération continue du tracé avec des poteaux, des lumières, des stalactites. Il y a plein de choses très intéressantes. Donc encore une fois, en moins de 24 octets. Et donc si on regarde maintenant les sommets qu'ils ont rendus chez l'un à l'autre. Donc ça, c'est la seconde démo du second. Voilà, il s'amusait en fait à analyser le code du premier pour l'intégrer à sa propre démo. Il a dû faire quelques sacrifices, sa cravate ne bouge plus vraiment, les ailes sont un petit peu moins. L'effet de flou est annulé, mais c'est juste impressionnant. Et pareil pour le premier, lui a intégré une petite abeille à sa démo. Bref, quand on voit ça, ça impressionne vraiment. Donc revenons à la présentation. Alors, juste une petite analyse des démos primaires en fait. La première chose qu'on a tous remarqué, c'est qu'au final, ils sont tous très visuels. Est-ce que ça vient du fait qu'on met une disposition à Canva? Est-ce que c'est du fait que une démo catchy se doit d'être visuelle? Je ne sais pas trop, mais c'est le cas. Seconde chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a peu d'interactions avec l'utilisateur, peu de contrôle. Alors pourquoi? Ça s'explique assez simplement. Faire des appels comme un mouse move, un mouse click, un click, je veux dire, ça prend de la place déjà. Juste le mot en soi. Ensuite, pour chaque event géré, il faut créer une fonction. Les objets manipulés dans ces fonctions ne sont pas forcément normalisés à travers les différents navigateurs. Donc c'est assez décourageant. Ça explique que peu de personnes l'utilisent.
J'ai regardé dans mon code, en fait, 10% du code de mon code, c'est-à-dire plus de 150 octets, sont juste destinés au petit contrôle avec le clic souris déplacement. C'est peut-être des octets que j'aurais plutôt dû utiliser à améliorer l'aspect graphique, je ne sais pas. Et la dernière remarque, c'est peu d'utilisation du HTML5 au final. Je crois qu'il n'y a qu'une seule démo qui utilise par exemple API Audio, mais à part le Canva, donc forcément, mais il n'y a pas forcément d'appel aux nouvelles fonctionnalités HTML et JS. Alors pourquoi? Je pense que c'est un peu la même remarque que précédemment, c'est faire appel à ces fonctions, c'est faire appel à des méthodes d'objets, donc forcément ça prend de la place, ça prend des octets. En plus, il y a peut-être un souci de normalisation derrière les navigateurs. Bref, on ne retrouve pas encore ça dans les démos. Peter Van Der Zel, l'organisateur d'événements, songeait presque pour 2014 à justement faire différentes catégories en proposant peut-être d'autres éléments d'âme comme l'élément audio, peut-être en autorisant WebGL. Donc peut-être que pour la prochaine session, on verra des choses plus variées à voir. Et donc, un petit bilan pour finir. J'aimerais commencer par dire que, à mes yeux, JS1K, c'est un peu une extension, voire en fait, carrément s'inscrit dans ce qu'on appelle la démoscène. Alors, qu'est-ce que la démoscène pour ceux qui ne connaissent pas? Définition Wikipédia. Sous-culture informatique ayant pour but la création artistique sous forme de programme, fondée sur les trois domaines que sont la musique assistée par ordinateur, l'infographie et la programmation. Alors, la démoscène, ça remonte à assez vieux. C'était à l'époque où les gens programmaient non seulement sur PC, mais aussi sur Amiga Drive, Commodore 64, ce genre de choses. Du coup, en fait, à l'époque, la limitation même de ces démos venait du matériel informatique. En fait, c'était les disquettes qui pouvaient contenir que 1 kg, 4 kg, 64 kg octets, par exemple. C'est une période qu'on n'a pas tous connu en fait. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans le web. Le web, ça peut devenir le nouveau Far West pour les programmeurs démoscènes. Dans le sens où, bah, avec la sandbox du web, avec l'apparition de nouveaux outils, en fait, la nouveauté de toutes ces choses, il y a même trouve cet esprit démoscène. Et selon moi, JS1K, comme la démoscène, c'est une discipline pour hackers. Hackers dans le sens général, dans le sens large du terme, c'est-à-dire ceux qui recherchent l'astuce, le raccourci, ceux qui recherchent l'optimisation. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on retrouve en fait de hacker dans JS1K? Bah déjà, quand on programme ce genre de démo, on est amené à hacker le contenu même de la démo. Donc ce que je vous ai présenté, les petits raccourcis JavaScript, l'utilisation de maths, faire les choses à sa sauce, c'est une forme de hacking en fait. Et ensuite, le hacking même de la forme du code, ce qu'on a vu avec la création de patterns, la compression, etc. C'est un domaine assez méta de l'informatique, qui est rempli de challenges. C'est ce genre de choses, on la retrouve dans les outils de compression, dans les antivirus, parce que certains virus utilisent des méthodes un peu comme JSCroche pour se cacher eux-mêmes et se lancer, masquer leur caractère nuisible et se relancer sur le PC. Il y a plein de challenges qui vont au-delà même de la démoscène et de l'aspect purement esthétique. C'est une discipline qui est très intéressante. Pour se recentrer sur JS1K, je vous ai mis cette petite citation d'un camarade programmeur qui dit donc que en fait, c'était quand même un marathon, on a eu 2 mois à coder dessus et on a tous tellement appris qu'au final, c'était ce qui est intéressant en fait, c'était de participer et on sentait tous gagnants à la fin. C'était beaucoup de fun, c'était un beau challenge à donner que je recommande à pas mal de gens. C'est une belle manière de redécouvrir son langage favori. Et aussi, c'est plutôt de faire des rencontres sympas, de discuter avec des gens qui sont plus experts que vous, qui ont beaucoup à vous aborder. Une dernière citation encore pour conclure, c'est aussi du gagnant. C'est un tweet qui a été justement retweeté par la plupart des participants. Pour conclure sur l'esprit hacking, compression, imagination, du temps et un peu de maths. C'est ce qu'on a tous retenu de ce qu'on peut au final.
les références de la présentation, si vous voulez jeter un œil. Encore une fois, je vous invite fortement à parcourir les blogs, notamment des gagnants pour chaque session. Il y a beaucoup à faire. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. T'as gagné quoi? Rien du tout. Le droit de reparticiper. Le droit de reparticiper déjà, forcément. Non, je crois que ce coup-ci, en fait, le prix a été entièrement reversé au premier. C'était un prix, ça ne montait pas très très haut. Mais si, le troisième coup d'appareil sur la page d'accueil du concours, c'est un petit peu le cul par exemple, c'est sympa. Pour montrer. D'ailleurs, je peux vous montrer si vous voulez un peu plus sur le site web. Ça, c'est le site web du concours, donc si on regarde la session 2013, donc les jurys, les primes, je crois qu'au total, il y avait quand même pour en fait 800 $, juste comme ça. Donc les démos primés, je vais vous montrer le tunnel, le Fabille, le démo du troisième qui est assez sympa aussi. Je vous invite vraiment à consulter toutes les démos pour voir les types pour moi. Il y a plein de démos à parcourir. C'est une chose très intéressante. Ah, ici déjà le site qui est. Voilà, ici. Camarade Instagram. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Quel genre d'entreprise aujourd'hui est intéressée par ce genre de compétences et qui sont prêts à gagner? Parce que tu dis que tu mets 2 mois à faire ton bouquet, c'est vrai, c'est beaucoup, et après tu peux difficilement maintenir peut-être un an après. Ouais, donc, clairement, c'est juste pour fun en quelque sorte. Mais après, l'avantage là, c'est que tu apprends des choses sur l'aspect mathématique, sur la programmation même, sur JavaScript. Je pense quand même qu'il y a des entreprises qui sont intéressées. Enfin, du coup, tu montres un peu tes compétences en programmation en maths. C'est quelque chose intérêt qui a ce niveau-là. Non, mais vraiment, par la compression, je veux dire, c'est quoi les domaines d'application d'avoir un code tout petit aujourd'hui? Alors, je suppose le code embarqué. Après, je ne sais pas si on choisit avec JavaScript pour faire du code embarqué. Ouais, c'est ça, je veux dire, dans les navigateurs. Bon. Mais, comme je disais, en fait, il y avait à l'époque, la démo scène, à l'époque, le genre de concours. Avec une limite sur la taille a été créée, c'était pour des raisons techniques. C'était s'amuser à maintenir ce programme sur une vieille disquette de 4 kilo-octets, par exemple. Donc il y avait des notions de contraintes matérielles qu'on ne retrouve peut-être pas forcément aujourd'hui. C'est pour ça que des outils comme Google Closure existent, justement pour compacter le code là sans perdre en performance. Mais JS Crush, on y perd un petit peu parce qu'il y a la phase de décompression, il y a le eval qui est assez déconseillé de manière générale. A priori, dans le domaine de l'utile, on reste sur du closure. Voilà. Et après, on passe sur. C'est plus du. Voilà, des technicité, du fun. Dans pas mal de démos. Comme tu disais effectivement avant sur les Amiga, etc., il y avait beaucoup de problèmes de performance. Ouais. Justement parce que en aussi peu de code, on avait du mal à faire des algorithmes à peu près optimisés. Est-ce que tu as rencontré ce problème? Tout à fait. Enfin, on a déjà beaucoup rencontré. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un problème qui n'est pas forcément le même en fonction des navigateurs. Il y a une de mes démos, la démo Morphose. Cette démo, j'ai ressenti une certaine contrainte. Donc en fait, dans Chrome, elle tourne parfaitement sans problème. Mais quand je l'ai lancé sur Opera et sur Firefox, ça ramait plus. Alors je ne lance pas la pierre à ces deux navigateurs, surtout que
certains Mozilla évangélistes dans la salle. Mais en fait, ça vient, je pense que ça vient surtout en fait de la manière dont j'utilise les fonctions du Canva. On va dire clairement que c'est dégueulasse la manière dont j'utilise. Je ne suis pas du tout les pratiques conseillées. Je pense que ça crée une forte latence en fait dans le dessin des petits triangles qui composent cette scène. Et du coup, j'ai dû ajouter dans mon code une petite condition qui testait le type de navigateur. Et si jamais c'était Opera, effectivement, c'est des mots sous Opera ou sous Firefox, vous aurez 4 fois moins de rectangles pour que ça tourne à peu près aussi bien en fait. Donc oui, pour répondre à la question, on a encore des contraintes au niveau des performances de certaines API JavaScript. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais du JavaScript? Deux ans, trois ans. Vraiment, c'est vraiment. J'en avais fait un petit peu au lycée il y a longtemps, mais c'était vraiment anecdotique. Quand j'ai attaqué la formation ingénieur informatique, j'ai commencé à m'y mettre petit à petit. Mais honnêtement, tout ce que j'ai appris là, tout ce que j'ai présenté, c'est vraiment l'année dernière, quand j'ai eu du temps libre et que j'ai commencé à bosser sur des projets et sur ce concours, c'est là que je me suis vraiment senti progresser et où je me suis senti plus à l'aise avec ce langage en tout cas. Un peu tous les aspects, essayer de voir tout ce qui peut marcher, donc tu creuses tout ce qui fait, toutes les nouveautés avec HTML5 et les nouvelles API, tu apprends toutes les petites astuces du langage, enfin tu es vraiment amené à creuser tout en profondeur et c'est vraiment instructeur. Je dirais pas que c'est une façon d'apprendre le JavaScript, il faut quand même avoir des bases, mais en tout cas ça aide à vraiment les approfondir. Est-ce que c'est la compète est individuelle obligatoirement ou est-ce que juste c'est trop hardcore pour bosser à plusieurs sur une seule démo? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça fait partie des règles ou non. Je ne crois pas avoir entendu une personne qui travaillait à plusieurs. C'est juste en démo classique, on va dire ici. Les mecs se sont tous regroupés en musique quand même. Oui, c'était des spécialistes. Et ils étaient spécialistes, voilà, il y a des mecs qui faisaient le son, des mecs qui faisaient les graphiques. Là, c'est pas quelque chose qu'on peut encore ici. C'est un peu du fait, en fait, avant un cas, c'est vraiment peu par rapport aux compétitions 4KO ou 64KO. Je pense que du coup, il y a moins de moyens de partir dans des choses, à la fois faire du son, faire du graphique, etc. Je pense qu'il y a moins besoin de compétences différentes. J'ai pas entendu parler de personnes qui a fait ça à plusieurs. Okay. Ah, peut-être que. On prend conseil sur des gens, on s'entraîne un petit peu et tout ça, mais oui. Ça reste assez personnel, j'ai l'impression. Est-ce que tu vas le refaire cette année? J'aimerais bien, c'est pas spécialement l'idée. J'attends de voir un petit peu aussi ce qui sera proposé sur nous, qui propose de modifier un peu la formule. Avec par exemple faire une différente version, en fait, une version WebGL par exemple, une version classique, une version peut-être avec d'autres API, peut-être Fluvio ou je sais pas quoi. Donc l'année dernière le concours était annoncé le 1er février. Ça va bientôt tomber. J'attends de voir. Pas encore, je suis pas encore fixé. J'aimerais beaucoup, mais pas sûr d'avoir l'idée et le temps en fait. Tu penses que tu vas garder des mauvaises habitudes de ça? Oui, ouais. Très clairement oui. Enfin, après ça se soigne, ça se relie, ça se corrige, mais utiliser des ternaires pas forcément lisibles, avoir l'envie de vraiment commencer son code, à mettre des déclarations de variables un peu partout, ce genre de choses, c'est très tentant du coup. Une certaine envie d'utiliser ce qu'on a appris, qui n'est pas très conseillé au final. Après, il y a des choses qui sont utiles. Je trouverai un exemple, peut-être. Savoir que ça peut être utile de décrémenter sur un arrêt ou d'incrémenter. Il y a des petites choses qui sont sympas à savoir et qui sont quand même un gain
de place, ce qui est toujours intéressant dans le web. Après, c'est des mauvaises habitudes qu'il faut essayer de se soigner. Mais ça va être intéressant et je pense que c'est... Pendant le concours, ça communique entre participants ou ouais, c'est... Je trouve que c'est une très bonne ambiance. Ouais. Du fait déjà qu'on voit les démos de chacun, du moment que c'est posté, ça apparaît directement sur la page de démo ici. Hein. Donc, il y a pas vraiment moyen de cacher ce qu'on fait. Enfin, les trois gagnants, qui sont vraiment les experts, n'ont pas attendu le dernier moment, par exemple, pour poster leur démo, afin que personne puisse les lire et s'en inspirer. Ils l'ont posté dès qu'ils ont fini. Du coup, tout le monde a pu voir, a pu commenter. Il me semble même que certains avaient commencé à rédiger des articles pour décrire le tout sur leur blog avant même la fin du concours. Donc, personnellement, je trouvais que l'ambiance était plutôt bonne et ça discutait beaucoup sur Twitter, ce genre de choses. Dès que quelqu'un trouvait, il y a JS Croche qui a été amélioré en fait durant le concours parce qu'on s'est rendu compte à plusieurs qu'il y avait moyen de raccourcir de 2 octets Bootstrap. Et du coup, ça s'est tout de suite su et ça a tout de suite été modifié par le créateur de JS Croche. Enfin, ça discute beaucoup et c'est vraiment bon enfant, je trouve. Après, est-ce que c'était les gens de cette session ou pas? On va voir pour voir la prochaine fois. Puis encore une fois, les trois gagnants en tout cas ont tous fait des articles très détaillés sur leur démo. Et c'est, enfin, du fait qu'ils partagent comme ça leur connaissance, je trouve ça super. Philippe, autre chose? Bon, à l'apéro. Ah, merci.